Merci beaucoup. Donc on est l'équipe partenariat de la Fondation des Hôpitaux. Merci Charlotte, merci beaucoup et Oriane. Donc tout d'abord, merci à toute l'équipe de QSMTIS après beaucoup de temps que vous nous soutenez, à la fois pour la Fondation des Hôpitaux et cette année pour l'opération qui est jaune. Et grâce à vous, on peut vous remercier. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant la présentation. On va essayer de présenter à la fois ce que fait la Fondation et ce que fait en termes de projets concrets. Donc, la Fondation des Hôpitaux, elle existe depuis 32 ans. Elle a été créée en 1989 par un médecin de l'hôpital des Guerres et par notre vice-présidente qui s'appelle Anne Barrère. Et elle a été créée par un constat qui était qu'à l'hôpital, à l'époque, les parents n'avaient pas l'endroit pour dormir près d'un enfant à l'hôpital. Là, vous voyez une photo de petite fille, ça s'appelle Pauline, qui est avec sa maman, en l'occurrence, à l'hôpital médical, elle est suivie là-bas, alors qu'ils habitent à Tours, et ils bénéficient du soutien de la Fondation, puisqu'en fait, Pauline et ses parents peuvent dormir à l'hôpital, et comment ses parents peuvent dormir près de Pauline, parce qu'on a financé des lits accompagnants. Et donc, la Fondation est née de cette idée de lits accompagnants, puis de maison des parents, donc ce sont les maisons qui accueillent les parents proches de l'hôpital, généralement, à quelques centaines de mètres de l'hôpital quand on a un enfant qui est hospitalisé. Bon, je suis bien centrée. Donc c'est comme ça qu'est née la Fondation et qu'est née l'opération Pièce Jaune, que vous connaissez j'imagine tous, parce qu'elle a une grande popularité auprès des Français, donc c'est cette opération que vous pouvez faire chaque année en mettant des petites pièces et en les ramenant dans les bureaux de poste. Et grâce à cette pièce, j'ai créé des maisons des parents, comment c'est lié à mon père. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette partie-là. Grâce à l'ensemble des partenaires de la Fondation et à l'opération Pièce Jaune, on finance des maisons des parents, des liens accompagnants, j'en ai quasiment 3000 aujourd'hui qui ont été financés dans toute la France. La condition pour être financée par la Fondation, c'est d'être un hôpital public ou privé à titre non lucratif. Donc, on a une action sur l'ensemble quasiment des hôpitaux français. On finance également des maisons des adolescents. Donc, ce sont des endroits, si vous en parlera après, des lieux ressources qui permettent à tous les ados qu'ils souhaitent, sans besoin de sans prescription, en tout cas, de venir consulter un professionnel de santé pour des raisons diverses et variées. On fonctionne par appel à projet. Donc nous, on est une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui. Là, vous avez toute l'équipe partenariat, mais on a une équipe projet à la Fondation, qui en fait, par le biais d'appel à projet, recense les besoins des hôpitaux. Les hôpitaux nous font leurs besoins. On a un conseil scientifique qui vote les subventions accordées chaque année et qui attribue à l'ensemble des hôpitaux qui en font la demande des subventions. Qui sont collectés grâce notamment à vous et en l'occurrence au nom de tous les donateurs pendant l'opération Pièce Jaune. Donc c'est grâce à tout ça qu'on a réalisé aujourd'hui plus de 70 maisons des parents, donc quasiment peu importe la ville dans laquelle vous êtes, vous trouverez une maison des parents qui a probablement été financée par la Fondation, des chambres par enfant, des maisons des ados. Et puis je vais laisser peut-être Thibault vous expliquer concrètement tous ces projets. Vous en présentez quelques-uns, on en a des milliers, donc on a fait une sélection parmi tous ces projets. Alors, merci Charlotte. Du coup, je m'appelle Thibault, je travaille également au CERF département. Je vais vous présenter les différents leviers sur lesquels on va travailler l'opération Pièce Jaune. Donc, comme a expliqué Charlotte, Pièce Jaune, c'est une opération qui est portée par la Fondation
des hôpitaux et qui a pour objectif d'améliorer la vie au quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. Un des premiers leviers, c'est le rapprochement des familles. Donc, comme l'a dit Charlotte, avant à l'hôpital, il n'y avait pas spécialement la possibilité pour les parents d'être auprès de leurs enfants. Et la Fondation a désiré soutenir la création de dispositifs qui permettent justement le rapprochement des parents auprès de leur enfant hospitalisé. Ça a passé notamment par la création de chambres par enfant. Donc, dans les faits, ça va être l'acquisition de mobilier spécifique pour que le parent puisse dormir dans la chambre de son enfant avec un fauteuil qui se transforme directement dans lui, par exemple, ou la construction d'une maison des parents. Donc là, c'est tout un bâtiment où il y a plusieurs chambres et les parents peuvent réserver leur chambre pour avoir la durée des soins de leur enfant ou juste pour une très courte période si l'enfant est en réunion ambulatoire, par exemple. L'achat de l'accompagnement et des espaces de famille. Donc, on s'est rendu compte qu'au fil des années, il y a également ces espaces qui permettent aux parents de se rencontrer, qui vivent des situations pas évidentes et qui permettent de créer vraiment une synergie entre ces parents qui ont des enfants hospitalisés. Un autre levier sur lequel va agir. Ça, c'est une explication de ce levier du rapprochement des familles. Donc, ici, un des projets qu'on a financé, c'était notamment à l'hôpital de pédiatrie de rééducation de Bullion, qui est au cœur de la forêt de Rambouillet. Donc, cet établissement, on a contribué justement au financement d'une maison et de pièces de vie, comme je disais, pour accueillir les parents, mais également une maison des familles avec une quinzaine de chambres. Donc, j'ai visité en plus dernièrement où cette maison des familles s'est même dotée d'un espace de coworking et de télétravail pour les parents qui se déplaceraient un peu partout en France et dont les enfants sont hospitalisés dans cet établissement. Également, il y a un espace qui est dédié pour apprendre aux parents à pratiquer les soins, pour justement préparer cette sortie de l'hôpital et permettre aux parents de même pratiquer les soins qui sont donnés. Pour le levier rapprochement des familles. Un autre axe sur lequel l'opération Question va travailler et va soutenir les porteurs de projet, c'est l'amélioration de l'accueil du confort. Donc, tous les enfants qui passent à l'hôpital ne passent pas sur des longues périodes spécialement, mais peuvent également arriver à l'hôpital en ambulatoire pour une journée ou deux. Et l'objectif ici était d'aménager des espaces pour les enfants, les faire patienter justement avant les soins ou les consultations, qui va avoir pour objectif notamment d'apaiser l'enfant, de le détendre justement avant sa consultation ou ses soins. Donc l'objectif ici, ça va être de soutenir des projets qui vont avoir pour but, par exemple, d'aménager des espaces d'accueil, des espaces de jeu pour les enfants, la création de fresques murales, comme notre partenaire peut le faire, l'achat de mobilier adapté. L'année dernière, j'ai visité l'IGMA, qui est un grand centre de recherche sur les maladies rares à Strasbourg, et là, on a financé l'aménagement du rez-de-chaussée, avec notamment l'aménagement d'espaces de jeu et d'espaces adaptés pour les enfants et qui sont adaptés à leur pathologie. Donc ça, c'est le genre de projet que la Fondation va soutenir à la création et la rénovation d'espaces d'accord pour les enfants. Un troisième levier est le développement des activités. Donc c'est bien beau de pouvoir aménager des espaces d'attente, des espaces d'accueil, mais également des activités lors du parcours de soins qui va permettre justement à l'enfant d'avoir une vie d'enfant et de parfois le pratiquer soit avec les parents, soit avec les écrans qu'on organisait, avec les équipes soignantes également. Donc l'organisation d'ateliers, aménagement de terrains sportifs ou organisation de séjours de vacances hors de l'hôpital. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est la vie pour l'enfant qui est vie comme tous les autres. Un des gros projets qu'on finance chaque année, et c'est l'objet d'une vidéo qui va suivre, c'est le financement d'un séjour à la montagne avec des patients en rémission. Je vais
juste avant cela un exemple d'activité à quel point on peut financer dans l'activité. Il y en a beaucoup à la PHP, celui-là, je pense que c'est pas lequel, en tout cas. C'est pas pour vous. C'est assez courant qu'on finance ce genre d'activité qui, souvent, c'est des communes qui montent aux fenêtres on n'est pas sur le Père Noël, mais on a aussi des activités avec le Père Noël, tout ce qui fait en sorte que la magie rentre un petit peu avec le Père Noël. Ça paraît pas grand chose, et en fait, c'est énorme pour nos enfants. Mais pour avoir une cette image, je suis bien parlant de ce que tu as joué de commencer à l'hôpital et de ce que ça peut faire prendre. Donc du coup, je vous parlais juste avant de ces jours qu'on finance chaque année. Donc là, c'est dans le cadre d'une association qui s'appelle Second Espoir, basée à Besançon. Non, mais en fait, c'est Second Espoir qui est une association basée à Besançon dans laquelle on a financé à Besançon la maison de parents, au prémisse du projet. Et en fait, le porteur du projet de cette maison des parents, c'est un papa qui a perdu ses filles et qui a décidé vraiment de mener à bien tout ce projet et d'en faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que ce sont beaucoup d'enfants qui sont en rémission de cancer. Et il a créé ses ascensions au sommet. On va vous montrer une petite vidéo. Nous, on soutient chaque année ces ascensions. Donc, ce sont des ascensions au sommet pour les enfants et les ados qui sont en rémission. Et c'est un vrai message d'espoir, en fait, pour eux. C'est une ascension au sommet, comme on pourrait tous en faire. Mais en fait, derrière, il y a des soignants qui nous ont raconté que ça avait un vrai impact sur la suite de la vie de ces enfants, de ces jeunes et de ces ados. Et qui est limite métaphorique de voir, je pense que quand un patient est à l'hôpital, qu'on lui annonce une maladie assez compliquée, qui va avoir un parcours de soins un peu difficile, dans cette ascension, il voit une colline, qui a un sommet à gravir. Il s'est dit, il fait tout de suite le lien avec son parcours de soins et sa maladie. Le projet a débuté en 1994 avec Émilie, la fille du président de l'association, donc de Pierre Dornier, qui rêvait de monter en montagne et faire le Mont Blanc. Mais elle ne voulait pas le faire seule, elle voulait le faire avec des autres malades qui étaient avec elle à l'hôpital. Le stage d'été des Sommets de l'Espoir permet à des enfants qui ont été malades, qui sont guéris ou qui sont en rémission, d'accomplir un défi, et un défi assez extraordinaire, gravir un très beau sommet des Alpes. Je pense que ces stages sont vraiment essentiels. C'est un outil formidable et je pense qu'en quelques jours, ils peuvent apporter énormément. Il est essentiel que nous puissions accompagner ce genre de séjour pour aller encore un petit peu plus loin et favoriser cette estime de soi qui est si importante quand on a été blessé par la maladie. Les Sommets de l'Espoir, ça montre que même avec la maladie, on peut toujours monter au sommet. Même les personnes en difficulté, elles y arrivent. Elles y vont du fond de leur cœur. Elles ont de l'espoir, quoi. On se dit qu'on va jamais y arriver. Moi, je pensais pas y arriver. Et en fait, mètre après mètre, pas après pas, on y arrive. Et c'est vraiment une grande satisfaction. C'est un peu comparable à un traitement, quoi. C'est quelque chose de magique, un peu. Et puis, on le vit pas tous les jours, ça. On est sorti de la maladie et on veut grimper des sommets, aller au plus haut pour avoir une victoire sur la maladie. C'est un message à faire passer aussi pour les autres qui sont encore hospitalisés. Ça permet de voir qu'on est toujours aussi combattant, même s'il se passe plein de choses dans nos vies. Et même si des fois on est désespéré, même si des fois c'est des mauvais jours et qu'on est complètement au fond, on rebondit toujours en fait. Et les sommets, ça donne tout ça. Quand on a
vécu l'expérience douloureuse de la maladie, ce défi de pouvoir aller un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, de pratiquer le regard d'en haut sur ce qu'on a pu vivre avant, sur ce qu'on vivra après. Je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup. Financer grâce à la mobilisation d'entreprises comme la vôtre. Ça me fait penser notamment à un autre projet qu'on a financé, mais plus ou moins suite à Marseille, c'est un projet qui vise à permettre des enfants hospitalisés atteints de cancer de pouvoir faire des activités en mer avec tout le personnel soignant. Et dans ce cas de figure, c'est plus l'enfant qui s'adapte à une table de soutien, mais c'est vraiment les soins qui l'accompagnent dans cette activité. Et ça, c'est des choses que faire et que Pierre-Jean permet de réaliser. Hop. Alors, j'ai parlé du coup du rapprochement des familles, des activités, de l'accueil et du confort. Un levier hyper important, et ce depuis le lancement du programme en 2004, c'est la prise en charge des adolescents en souffrance. Du coup, en 2004, la Fondation de la Pièce Jaune a initié un vaste programme d'adolescents en souffrance qui permet l'aménagement et la création de maisons des adolescents un peu partout en France. La toute première est assez connue, c'est la maison de Solène ici à Paris, qui elle va proposer des activités et des parcours de soins spécialement pour des adolescents en situation de trouble du comportement alimentaire. Mais il en existe partout en France avec des modèles différents. Donc ici à la maison de Solène, elle est accolée à l'hôpital et elle permet également parfois des spécialisations pour ces adolescents. Il y en a d'autres qui sont vraiment implantés en cœur de ville et qui sont des espaces d'accueil et d'information pour les adolescents, qui n'accueillent pas spécialement des adolescents la nuit en parcours de soins, mais qui sont des espaces de refus ou d'information pour ceci sur toutes les thématiques qui peuvent concerner les adolescents en 2022. Donc, il en existe maintenant 119 partout en France, c'est assez large. Et un exemple en particulier qu'on a encore visité dernièrement au mois de février, c'est la maison des adolescents de Poitiers. Donc, celle-ci a été inaugurée à l'été 2021. Et c'est un exemple typique d'une maison des adolescents, elle est vraiment en cœur de ville. Donc, tous les adolescents qui vont passer. Les gens en centre-ville vont pouvoir tomber directement sur cet espace qui va proposer des activités de formation avec une équipe pluridisciplinaire de médecins, éducateurs, etc. Donc, également, Pièce Jaune a permis de financer à cette maison des ados l'acquisition d'un bus qui est adapté pour recevoir également les adolescents partout en périphérie de Poitiers. Donc maintenant, c'est vraiment les professionnels qui vont se déplacer dans les villages pour proposer de l'information, juste avoir des discussions lorsque les adolescents ont besoin. Donc ça, c'est un projet qui vient juste de mettre l'acquisition du bus étant l'année dernière. Voilà pour les leviers principaux de Pièce Jaune, que sont l'accueil, le rapprochement des familles, très important, le développement des activités et également le programme sur les adolescents. Donc, je vais faire un peu la mobilisation. Pour l'opération Pièce Jaune, c'est très important la mobilisation du public parce que c'est une collecte nationale, donc évidemment, il fait appel au public. Tout cette année, c'était le retour des pièces. Donc, c'était très important pour nous et on a encore plus mobilisé le public puisque l'idée, c'était que chacun crée sa tirelire. Donc, voilà, il fallait que chacun fasse preuve d'imagination et crée la plus belle tirelire. Alors, un levier très important pour nous, c'est la mobilisation des enfants parce que l'idée de Pièce Jaune, c'est vraiment que l'idée de base, c'est qu'un enfant, un enfant qui est sain et pas malade puisse collecter pour son copain qui est malade, son copain qui est à l'hôpital. Et pour nous, c'est très important que les enfants, on les éduque à la générosité et que vraiment ils prennent part à l'opération qui est jeune, ils s'en emparent et que dès le plus jeune âge, ils comprennent la générosité et le fait de donner aux autres.
Donc voilà, il y a des milliers d'enfants qui se mobilisent partout en France. Ils peuvent amener toujours leur pièce de bureau de poste. Ensuite, on a les entreprises qui peuvent se mobiliser de différentes manières. Donc, il y a des challenges collaborateurs. Ça, on peut le faire par exemple à partir de cagnottes solidaires. On a ouvert des cagnottes solidaires sur notre site internet cette année. Donc, on peut imaginer des challenges entre régions, par exemple des boutiques en région qui vont essayer de collecter des demandes d'argent pour les pièces, pour la campagne. La mobilisation des clients aussi, donc ça passe par, voilà, par exemple, des enquêtes, par leur dire pourquoi ils donnent, leur expliquer en quelques mots. Le relais de communication, c'est très important aussi pour nous. Il y a certains de nos partenaires qui font essentiellement de la communication. Et c'est très important, ça peut passer par des vidéos en boutique, des affiches sur les réseaux sociaux. Voilà. Et enfin, la mise en vente d'un produit partage. Donc, il y aura un produit qui est aux couleurs de pièces jaunes pendant toute la période et qui, soit tous les bénéfices sont reversés à l'opération, soit un pourcentage de vente. C'est vraiment après, on voit avec chaque partenaire comment on va avancer. Mais voilà, c'est aussi un projet déjà assez important pour nous. Et Charles va vous parler d'un petit moment. Merci. Donc, je conclue en vous disant déjà merci. En fait, vous avez. Cusmiti a été là sur la route d'Arguez qui nous a permis quand même de collecter une somme qui n'est pas négligeable. Et vous avez aussi répondu présent sur de la communication, sur de la création de services au final. Donc, ça veut dire bien, effectivement, c'est important, c'est que l'opération Pièce jaune, initialement, elle est créée par les enfants pour les enfants. Mais bien évidemment, on ne pourrait pas faire aussi grand chose si on n'avait pas aussi les entreprises. Et vous avez été présent sur tous les volets. Et donc, un petit aparté sur la remise en caisse, ça avait du sens pour nous parce qu'en plus, l'ADN de Pièce jaune, c'est de dire que tout le monde peut donner à sa hauteur. Donc on donne quelques centimes, donc on donne quand on a un chèque plus important. C'est aussi l'ADN de l'arrondi. Donc quand on s'est rencontré avec toutes les entreprises qui font l'arrondi et avec Micronon, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur l'opération Pièce jaune, puisque disons qu'on est en rivière, donc vous avez vu tous les projets que vous a présenté Thibault, on est vraiment sur des projets qui vont de petits montants à des montants vraiment importants. Et tout ça, on ne le ferait pas sans vous et on ne le ferait pas sans la remise en caisse. Donc, merci beaucoup. Et je crois qu'on a fini. On a plein de merci. C'est la slide de. Ça, c'est les ascensions au sommet. Merci aussi à vous. Merci. Est-ce que, là du coup, vous nous avez expliqué que cette année, vous aviez du coup créé ce système plus participatif avec du coup des tirés personnalisés. Est-ce que vous avez senti un engouement particulier du coup cette année suite du coup, à cette démarche plus participative sur en termes de communication, de dons récoltés, etc. Après, c'était le grand retour de la tirée parce que malheureusement, l'année dernière, oui, post-Covid, il y a eu la possibilité de mettre en place le contact. Du coup, on est passé en son contact. Mais oui, l'idée, c'était vraiment de faire la réapparition de cette tirée et que chacun puisse se l'approprier. Parce que, voilà, Pièce jaune, c'est quand même une opération qui est dans le cœur des Français d'avant depuis plus de 30 ans, que tout le monde connaît. Moi, je suis d'origine belge et même moi, je la connaissais parce que je ne la vois sur les réseaux que les partenaires ont créés ici à la formation. Donc, on a vraiment senti que oui, effectivement, c'était quelque chose d'attendu. Il y avait des gens qui gardaient leur pièce depuis un an et qui se disaient comment est-ce que je peux ramener une femme surprise pour faire une technique dans la presse. Donc voilà, cette année, on a vraiment mis le paquet là-dessus pour vraiment que les gens se l'approprient et qu'ils puissent retrouver dans toute la presse locale des stickers pour pouvoir customiser leur tirelire et qu'ils se l'approprient réellement. Il y a une collection de photos, une collection de super tirelire. C'est vraiment belle. Donc, les enfants en particulier ont vraiment fait preuve de grandir. Puis là, super fort, on a impressionné. On a vu tout un hôpital qui a tiré un dégo, mais un hôpital à côté. C'est
On a eu des cochons comme ça, on a eu des petites boîtes de thé, des boîtes de mouchoirs, des boîtes de masques. Et en termes de dons, chaque année, c'est de plus en plus important. Enfin, vous voyez une évolution ou c'est sensiblement la même chose chaque année en termes vraiment de dons. De collecte métallique. De collecte, ouais. Alors, évidemment, la collecte métallique, quand on est passé du franc à l'euro, c'est particulièrement fou parce que les gens se sont débarrassés. Ouais. on débarrasse plus des petites pièces rouges. Donc, ouais. Mais non, on est à peu près évidemment une année en année parce qu'en réalité, on pense que, alors nous, on a fait cette année, on a choisi un modèle hybride de collecte métallique, mais on a aussi beaucoup insisté sur les leviers, par SMS, non en ligne, parce que vous, comme moi, vous allez aujourd'hui à la boulangerie, parce qu'on n'a pas toujours besoin de pièces, on paye tout en sans contact. Mais finalement, qui veut la vie, on a beaucoup de personnes qui ont gardé leurs pièces d'année en année. Et on a tous chez nous des poches, des compteurs de pièces. Et grâce à la campagne de com, je pense qu'on a eu la chance d'avoir toutes ces personnes qui se sont dit « Ah oui, j'ai gardé mes pièces ». Après, sur la collecte, en fait, on est sur un temps long parce qu'on a le résultat de la collecte beaucoup plus tard. Oui, puisque vous nous disiez qu'après le tri, ça dure 6 mois, non? C'est quelque chose comme ça? Là, la Banque de France est probablement pour... Ouais. Non, ça dure très longtemps. Ça dure, ouais. Parfois des pièces qui ne sont pas montées, les pièces sont dans les fontaines, qui en fait sont très oxydées, elles sont envoyées à Paris, à Bordeaux, elles sont remises en circulation, ça prend beaucoup de temps à trier, donc on a un grand delta entre la fin de la campagne qui était en février et le moment où on sait exactement combien on a collecté en local. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des partenaires entreprises. Un arrondi, on sait exactement quand est-ce qu'on l'a collecté et combien, et on peut nous provisionner sur le projet. Parce que du coup, à partir du moment où la tirelire, quand on la fait, on la dépose à la poste, c'est ça? Et ensuite, quel est le trajet de la tirelire? Ça va directement à la Banque de France? Et c'est trié. Vous disiez aussi, vous savez, lors d'un précédent rendez-vous, qu'il y a très peu de. J'avais très peu de personnes, non? J'avais pas une dizaine à trier pendant 6 mois où j'ai. Mais vous disiez votre peuple déjà. Oui, mais très peu de personnes en fait. C'est vraiment. Non, c'est bien, mais je ne sais pas de qui. Effectivement, ils ne sont pas non plus. Parce que c'est un travail monumental. C'est le même. Ah oui. Il y a des pièces étrangères aussi. Il y a des gens qui partent au voyage, un petit test, ça rend ouais, cher. Et la campagne, donc, maintenant qu'il y a ce système-là, la campagne va durer toute l'année, en fait, parce que j'ai souvenir qu'à une époque, on avait les boîtes en carton que c'est tard, peut-être en septembre ou en octobre. Janvier. Les boîtes arrivent, mais maintenant qu'on fait notre propre tirelire, est-ce qu'il va y avoir plus de communication toute l'année sur la collecte? Non, parce qu'en réalité, le calendrier, il est lié à la poste qui ne peut pas plus collecter toute l'année les pièces et la Banque de France. Donc on est dans l'obligation sur la partie pièce de collecter entre janvier et février. Mais on pourrait dire aux gens de commencer à préparer leur tirelire. Oui. Est-ce qu'il y a de la communication pendant l'année sur le fait de ne pas oublier de mettre ses pièces de côté? Nous, on commence à communiquer normalement en septembre. Quand tout va bien, on a eu la crise sanitaire, plein d'autres choses qui ont fait qu'on a communiqué assez tard, mais on peut communiquer dès septembre sur la tirelire, sur le fait de garder ses pièces. Et la partie dont l'entreprise partenariat, etc., c'est aussi que sur le mois de février ou peut-être tout au long de l'année pour le coup? Mais évidemment, c'est un temps fort. Le temps fort de l'e-com, il est en janvier. Toute l'année, puis on a en fait la fondation des hôpitaux, qui a d'autres programmes d'opération de jeu. Le piège, c'est notamment l'opération collecte, mais on a un programme soignant, on a un programme pour les EHPAD. On a. Avoir un programme supplémentaire, des programmes sur lesquels les entreprises peuvent faire du don. Donc, ce n'est pas l'opération de collecte de pièces jaunes. Je vais vous remercier.
je voulais vous remercier alors, pour cette présentation qui est très intéressante. Que même dans le champ de la caméra, il y a un bon millier de personnes qui nous regardent, je crois. Multiplié par 100, je crois. À peu près, on est à 12 700. C'est ça. Non, je voulais vous remercier pour cette présentation. C'est toujours très intéressant de voir ce qu'on fait avec l'argent qu'on a récolté. Ce n'est pas notre argent, hein, c'est l'argent du public. Les gens qui sont venus dans nos boutiques et qui ont donné cet argent, on est vecteurs, hein, on sert à récolter, mais c'est bien nos consommateurs, nos clients qui ont donné cet argent, en tout cas pour la partie piège. Et voilà, je voulais juste rappeler que nous, il y a trois causes véritablement qui nous tiennent à cœur et qu'on soutient toute l'année de différentes façons. C'est la nature, parce que le pied vient de la nature, et on essaie de lui rendre. Tout ce qu'elle nous a donné, donc on travaille beaucoup avec des associations autour de la protection de la nature, de l'eau, etc. C'est des choses qui nous tiennent à cœur particulièrement. Et une deuxième cause qui nous tient à cœur également, ce sont les femmes, au sens large, et on aide beaucoup d'associations, évidemment on commence par le cancer du sein, qu'on soutient depuis 7 ans, et puis il y a d'autres associations pour... Le petit bagage d'amour pour soutenir des femmes qui vont avoir un bébé, qui n'ont pas les moyens de l'accueillir correctement. On a beaucoup d'autres causes autour des femmes. Les femmes, je trouve que c'est important parce que d'abord, on a vu qu'il y en a beaucoup ici, donc je n'ai pas vraiment le choix. La parité est inversée ici, on a 75% de femmes et nous, les hommes, nous souffrons beaucoup. Et d'ailleurs, la parité, c'est une réalité chez Kousmi puisque. Nous avons un index de parité femmes-hommes qui vient de paraître, qui est à 97 sur 100. Donc nous avons bien fait notre job. Et puis la troisième cause, ce sont les enfants. Et les enfants, c'est principalement autour de l'éducation qu'on le fait. Donc on a soutenu les écoles en Asie, toujours autour du thé, en Inde, au Népal, pour aider les enfants à avoir une éducation digne de ce nom. Mais les enfants, ce n'est pas que l'éducation, c'est aussi les accidents qui peuvent arriver, les maladies. Et donc, les pièges jaunes s'insèrent parfaitement dans cette démarche. Et on est content de faire ça avec vous. On va continuer, évidemment. Mais on va essayer de le faire toute l'année, c'est-à-dire de rappeler aux gens qu'ils peuvent faire leur tire-lire avec leur boîte Kousmi. Évidemment, la boîte, il ne faut pas la jeter. Je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Mais qu'avec une belle étiquette, ils peuvent faire une boîte. Peut-être qu'on pourrait faire plusieurs étiquettes différentes et plusieurs couleurs. Il faut que nous, pendant l'année, on prépare les gens à faire ça. Et après, je vais la collecte à travers la rue. Voilà. Alors, en tout cas, on est ravis de vous accompagner. Et puis, on vous reverra donc l'année prochaine avec des chiffres, j'espère, encore meilleurs.